Donc là, vous avez un parcours qui est super beau. Ça part d'Iloa, c'est le 49. Alors, je monte avec une main, c'est un peu compliqué pour vous montrer. J'ai pas la GoPro. Regardez ce petit chemin, comme c'est beau. Et ça va jusqu'au cimetière Saint-Jean. Désolé, ça tremble un peu. Essayez de pas me casser la figure parce que il y a quand même des petites pierres. Voilà, regardez comme c'est beau. Là, vous pouvez prendre en vélo normal. Même avec les vélos de route, là, vous savez. Et là, vous avez un petit vent sympa. J'ai fait du drone ici. Et regardez la vue qu'on a. C'est beau, hein? Et après, ça continue là-bas. Je vais vous faire voir. Essayez de pas se prendre une gamelle. Logiquement, ça se fait pas comme ça. Il en t'es soufflé, Benji? Ah, c'est que je suis trop habillé. Regardez comme c'est mignon. Petit passage là. Avec de la merde de chien partout. Ouais, j'allais rouler dans la merde. Ça, c'est par contre, c'est chiant les clébards. Hein. Voilà. Et après, ça continue. Ça va jusqu'à Saint-Jean. J'essaie d'accélérer un peu. Allez, putain, Benji! Mets des watts, voilà, parcours 49. Attention au caca. Et là, vous avez l'église Saint-Jean, que j'adore. Et le cimetière Saint-Jean. Je vais vous le montrer. Hop là. Là, vous voyez. On arrive direct au cimetière. Qui est super classe. Et voilà. Qui est en travaux. C'est chouette, hein. Ça, c'est un super cimetière. Là, j'avais fait une petite séance de drone ici. Elles sont belles. Et alors, ça continue le parcours, je vais vous montrer. Voilà. Après le parcours, il continue le chemin des murailles. Vraiment très très agréable. On entend, bon là on entend le vent. Mais vous, vous entendrez la Durolle derrière, à droite. Là, vous tombez le bon rapport, de toute façon là je mouline. Et on remonte. Ici, vous avez le panneau du chemin. Voilà, ça malheureusement, je l'ai signalé, mais ça, petite visite. Nous aussi, on t'emmerde. Vous, vous passez par là. Je vous conseille pas d'aller visiter ça parce que c'est tout pété. C'est l'ancien hôpital, c'est là où sont nés mes deux frères. Fred, Philippe, vous êtes nés dans une de ces chambres là. Enfin, je sais pas si c'était des chambres ça. Ah, c'est complètement squatté. Il doit y avoir de la mérule partout. Voilà, alors pour ceux qui aiment les trucs tout pourris, encore des dossiers et tout, hein, c'est terrible quoi. Voilà, c'est. Faut venir le soir, ça, la nuit. Avec une lampe, comme ça, vous avez l'impression d'avoir des... d'entendre des bruits, tout ça, mais bon, vous n'entendez rien du tout, en fait. C'est pas hanté, hein. Je voulais vous faire croire que c'est hanté, mais c'était une blague. Voilà, après, le parcours continue. Faut juste essayer de repartir. Ça monte un petit peu, là, par contre. Là, faut mettre un tout petit coup de collier. Voilà. Voilà, vous êtes tous sur le... regarde ça un peu. Donc ça, c'est l'ancienne maternité. Alors attention, ça grimpe. J'ai qu'une seule main, c'est un peu compliqué. J'ai peut-être un peu trop tiré, là. Ouah ! Là, on aperçoit ma maison, là-haut. Voilà. Ça, c'est le chemin des murailles. Et l'ancien hôpital. On va le voir. Il est là. J'essaie de m'arrêter, mais on ne voit plus rien avec la végétation. Là, on ne le voit pas, il est derrière. C'est complètement abandonné. Alors désolé pour les tremblements, voilà. Ça continue. Un joli petit chemin. Vraiment très sympa, facile. Je suis essoufflé. Je suis trop habillé. Une belle glycine. Dédicace à ma chérie. Et là, ça redescend.
Mais après, faut pas rêver, hein, ça descend pas longtemps. Vous voyez le parcours, il est là. Il freine pas ce vélo. Là, on voit 16 et 49. Vous avez deux, un petit et un grand qui passe par là. Voilà. Ça descend. Ah ouais, il y a un endroit super beau, je vais vous faire voir, tiens. C'est pas grave, je remonterai en vélo. Bon. Là, vous tombez sur la rue du Roll. Une rue du Roll qui monte vachement. Voilà. Et nous, on va descendre par là-bas. Vous allez voir, il y a une vue sympathique. Alors là, ça descend tranquille. C'est la rue du Roll. Ouais, je suis à fond sur le frein, regarde. Là, vous voyez, il y avait la pancarte. C'est très bien indiqué. Vous descendez là, c'est pas mal. Et on va arriver au pont de Séchal. J'ai déjà fait des vidéos. Et nous voilà au pont de Séchal. Ici, vous pouvez repartir là-bas pour aller faire un tour autour de la Durolle. Attends, j'ai posé mon vélo. Ici, lieu de tournage d'un film. On ne rappelle plus lequel. Voilà, ça, c'est la Durolle. La rue Durolle avec la Durolle. On va la regarder, la Durolle, elle est là. Ça, y a un projet qu'on attend depuis longtemps. Donc avec votre VTT, vous passez par là. Voilà. Sympa. Là, il y a une maison d'hôte style japonais. Regardez sur internet, vous trouverez. Et puis après, moi, je vais remonter jusqu'à là-haut. J'habite là-haut, moi. Voilà. Allez, ciao. N'oubliez pas de profiter de la vie. Parce que comme dirait le grand sage Fred Nourry, on n'a qu'une vie. Et le deuxième sage, oh c'est joli, Philippe Nourry, qui vous dira, on va passer une belle journée.